Salut. Je voulais que tu saches que la dernière fois, j'essayais de décoller le chewing-gum de ton siège. C'est vrai, tu sais. Je suis jamais allé à l'école avant. J'ai jamais eu d'amis. Tout ça, pour moi, c'est un peu nouveau. À demain, alors. Oui, à demain, à main deux. Enfin, non, à matin demain. Enfin, pourquoi je bafouille, moi? Moi, j'ai bien une petite idée. C'est ton premier jour d'école et tu as déjà une amoureuse. Tu dis n'importe quoi, c'est juste une amie. Une amie. Excellent choix, maître. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Oh, il est tellement... intelligent, gentil, beau comme un dieu, irrésistible, drôle et sensible. Tellement plus que ça. Oh, on est désolé. Pas vrai, Nino? Désolé. Désolé. Toutes nos excuses. Comment on pourrait se faire pardonner? T'aurais une idée, Nino? Et qu'est-ce que vous diriez si on allait tous ensemble au zoo aujourd'hui? Il paraît qu'ils ont reçu... Oui, ils ont reçu une nouvelle panthère. Ah, c'est une super idée, pas vrai, Marinette? En plus, t'adores les animaux. Oui, je suis super fan des animaux. Je veux dire, des manisos. Non, des aminos. Oh non, des... Super. Alors, on se dit rendez-vous à 4 heures. Nino, c'est bon pour toi? Parfait. Alors, à 4 heures, hein? 4 heures? C'est noté. Ouais. Wouhou, allô la Terre. Tu te rends compte que le garçon dont tu es raide dingue amoureuse vient de t'inviter à une sortie, pas vrai? Ouais. Hein? Attends, quoi? Oh non, pas comme ça, pas maintenant, pas aujourd'hui. Je me suis pas lavé les cheveux, j'ai pas mes chaussettes porte-bonheur, je... Oh, aide-moi, Alia, toute seule, je vais pas y arriver. Merci, Nino. Hey, tu veux un cookie, Marinette? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ladybug nous a enfermés dans la même cage toute l'après-midi. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. Tu sais quoi, Marinette? La fille dont j'étais amoureux... Ah, oui! Eh bah, en fait, c'était toi. Hein? Enfin, c'est ce que je croyais, mais après être restée avec Alia toute l'après-midi... Oui, bon, enfin, on n'est pas obligé de tout lui raconter, d'accord? Oh oui, excuse. Le plus drôle, c'est que tout à l'heure, au zoo, quand je te coachais, Nino, lui, c'est Adrien qui l'aidait. Hein? Adrien était au zoo? Ouais, c'est trop marrant, non? Au fait, Alia m'a dit que t'avais craqué sur un mec de la classe. Il a aucune idée de qui c'est, promis, juré, je t'assure. Vu que moi, je ne prends pas de décision à la place des autres. Mais si ça te dit, je pourrais lui en parler. Oh, enfin, si je le connaissais. Nino! Ok, fais comme si j'avais rien dit alors. Mais compte sur moi pour lui en parler. Nino! Ce qu'elle peut être bornée, c'est tellement, tellement... irrésistible. Adrien? Tu es là? Je peux entrer? C'est Ladybug. Dis, est-ce que tout va bien? Oui, oui. Avec toutes ces émotions, je voulais prendre une bonne douche. Oh, oui, bah, bien sûr. Bon, bah, dans ce cas, je vais y aller alors. Et merci, hein. Cher Adrien...
Oh, c'est vraiment pas mon truc, les lettres d'amour. J'écris comme une grosse débilosaure. Y a que toi pour utiliser des mots comme débilosaure. Relax, Marinette. Je te taquine, pense fort à Adrien et ensuite laisse parler ton cœur. La lettre d'Adrien. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je vais répondre à son poème. Marinette, hein? Regarde-moi cette carte. Oh, mais elle est géniale. Oh, merci beaucoup. Et voilà. Oh, n'oublie pas de la signer. Ça, c'est un signe. Les coccinelles portent bonheur, surtout aux petits couples d'amoureux. Sérieux? Eh ouais, sois pas surprise, tu devrais t'y connaître aux coccinelles. Pourquoi tu dis ça? Depuis toujours, la coccinelle est connue pour porter bonheur et pour guider les amoureux sur le chemin du bonheur. Je l'ai posté sur mon blog, tu l'as lu, pas vrai? Oui, bien sûr. Et alors, elle a deux yeux, deux bras et deux jambes, comme tout le monde, non? Comment peux-tu être amoureux de Ladybug? Tu ne sais même pas qui elle est réellement. Tu ne connais vraiment rien à l'amour. Bien sûr que si. J'aime un peu le chèvre, beaucoup le gruyère et j'adore le camembert. Oh, monsieur est tout triste parce qu'il n'arrive pas à finir son poème pour sa dulcinée masquée. Pas besoin d'un poème, je peux lui dire en face. Je t'aime. Perk, tu viens de me couper l'appétit. Enfin, presque. Une pomme d'amour, les filles. Merci, papa. Allez, Marinette, fais-le avant de te dégonfler. Oh yeah! Je l'ai fait! Ah bah tu tombes à point, ma lady. Il faut que je te parle. C'est pas le moment. Disloqueur. Je me suis promis de te le dire dès que je te verrai. Ladybug, je t'ai... Attention! Chat noir! Ladybug, je... te hais de tout mon cœur. Chat noir, tu me sers trop fort! Je ne t'aime pas, Ladybug, tu n'es rien pour moi, je te déteste! Je vais enfin découvrir qui tu es, Ladybug. Tu peux dire adieu à ton identité secrète. Mais qu'est-ce que je fais là? On n'a pas le temps. Attrape la branche sur le carquois. Maintenant. Allez, vas-y, prends la branche. Non. Désolée, j'en ai besoin. Joyeux Saint-Valentin, ma belle. Ah, t'aurais pas dit. Tu as assez fait de mal comme ça, petit Akuma. Je te libère du mal. Je t'ai eu. Bye bye, petit papillon. Miraculous Ladybug. Hé, c'est l'occasion de récupérer ta carte. Avant, je l'aurais fait, oui. Avant? Mais avant quoi? Avant de comprendre que même si la haine nous entoure, l'amour triomphe toujours. Alors si je veux qu'Adrien m'aime, il faut qu'il sache ce que je ressens pour lui. Oh, mais c'est un grand jour! Tu te rends compte de tous les trucs affreux que tu as sortis à Ladybug aujourd'hui? Tu trouves ça drôle, toi? Non, c'est quoi le problème? Regarde-moi ce tas de cartes envoyées par tes millions d'admiratrices. Il ne te reste plus qu'à choisir. Attends, quelqu'un a répondu à mon poème? Mais je l'avais jeté. Tes cheveux sont dorés, tes yeux verts irisés. Quand je te regarde, j'aimerais partager tes rêves et tes pensées. Oui, je veux être ta Valentine. Ensemble, nous serons bien. Je t'aimerai pour toujours, mon cœur t'appartient. Oh, un truc aussi gnangnan. Ça ne peut avoir été écrit que par ton âme sœur. Oui, mais c'est pas signé. Hein? Tu crois que ça vient de Ladybug?
Oh, pitié. Comment ça, tu t'en rappelles pas? Tu l'as signée cette carte ou pas? Oh, je m'en souviens plus. La coccinelle est arrivée alors que j'écrivais. Ensuite, toi, tu m'as parlé de ton blog. Et après, c'est le trou noir. Oh non, alors là, je suis morte de rire. Elle a réussi à oublier de signer la carte. Sérieux, tu sais, je t'adore, mais il y a des fois, t'as des bugs hallucinants. Tu t'en rends compte, j'espère?